Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous venons de le voir en image, ce congrès des pharmaciens de Lyon a été riche. Alors quels sont les grands moments que vous retiendrez de cette édition 2021 ? Le débat avec le directeur de l'assurance maladie a été porteur d'avenir. Donc je vous invite vraiment à le regarder en replay. En replay. Ouais, il est dispo. Et là, on voit ce qui va arriver. Je dirais que le deuxième grand temps, ça a été la conférence sur le numérique en santé faite par les gens du Ségur, par Dominique Pont et Xavier Vitry, qui nous explique comment va se rénover les logiciels pharmaceutiques dans l'année à venir, en fait. Voilà. Après, il y a eu des moments inspirants avec les deux présidents, le président François Hollande et le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui nous ont... d'une part remercier, et c'était vraiment super qu'il le fasse, et puis ensuite qu'ils nous ont projeté dans l'avenir avec des réflexions qui mériteront d'être analysées. Et enfin, le discours du ministre, où il y avait tous les mots que nous attendions pour démarrer cette négociation conventionnelle et ces travaux de fin de mandat présidentiel. Voilà, donc ça c'était pour moi les temps forts, et je tiens à remercier les équipes de la Fédération Rhône-Alpes-Auvergne, les pharmaciens qui s'impliquent au quotidien dans la défense donc en Rhône-Alpes-Auvergne, qui nous ont organisé un très très beau congrès avec un stand qui était super, avec des chocolatines même. Donc, c'était top. Et des petits mugs hein, comme oui. Celui-ci. Je ne sais pas si on le voit là, mais on ne le voit pas bien. Je n'arrive pas. On le voit bien. Alors, voilà. Merci en tout cas à la Fédération Rhône-Alpes. Philippe, je vous propose maintenant de passer aux questions d'actu. Alors, à Lyon, lors de votre débat avec le directeur général de la CNAM, Thomas Fatome, vous avez demandé un report de 2 ans de l'échéance à l'entrée des pharmaciens dans l'exercice coordonné. Alors, votre demande a-t-elle des chances d'aboutir ? Alors, on verra, parce que ça fait partie du paquet de la négociation conventionnelle. D'accord. Il faut que vous expliquiez 2 minutes, Christophe, les différentes négociations qui sont en cours. Hier, nous avons eu avec le directeur de l'assurance maladie une négociation sur les CPTS, hein, les communautés professionnelles de territoire de santé, avec une négociation d'un nouvel avenant qui prend en compte plusieurs nouveautés. D'abord, une incitation beaucoup plus forte à créer les CPTS. Et ensuite, une nouvelle mission pour ces CPTS dans la crise sanitaire. Donc ça, c'est un package de CPTS qui montre que la crise sanitaire qui est en train de se terminer va maintenant, il est temps de se projeter dans l'avenir et de continuer à créer ces CPTS. Donc nous sommes, nous, à la Fédération, très mobilisés sur ce chantier. Et donc, nous allons examiner cet avenant CPTS pour le signer éventuellement si le conseil d'administration nous y autorise. Ça, c'est une partie de la chose. Donc, c'est une négociation que nous faisons avec tous les syndicats, les médecins, les infirmiers, les kinés. Il y a 70 personnes autour de la table. Voilà. Et par ailleurs, il y a la négociation pharmacie. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait la demande à Thomas Fatome de reporter un petit peu le délai pour de bonus-malus pour en fait l'obligation d'exercer un CPTS
Nous croyons fondamentalement que c'est la voie d'avenir. Mais l'année et demie qui est de Covid a mis en stand-by ces créations de CPTS. Donc, on a besoin d'un temps supplémentaire et c'est la demande. Donc, on verra, c'est dans la négo. Et on verra ça, D'accord. on aura la réponse en janvier, pas avant. La date butoir, c'était 2022, c'est ça, donc quelques La mois plus tard. date butoir, c'était 31 décembre 2022 et la demande, c'est que ce soit porté au 31 décembre 2024. D'accord, très bien. Alors, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière doit démarrer le 26 octobre, alors que l'injection de la troisième dose de vaccin contre la COVID-19 est également désormais possible à l'officine. Alors Philippe, comment les pharmacies vont-elles s'organiser pour réaliser cette double vaccination? Alors déjà, deux nouvelles informations, Christophe, extrêmement D'accord. importantes et qui vont arriver par DGS Urgent dans les jours ou minutes à venir. La première, ça concerne les préparateurs. Vous savez que nous avions demandé que les préparateurs puissent vacciner contre la grippe. C'est accordé. Euh, et D'accord. donc, donc voilà, donc nous allons recevoir un DGS Urgent aujourd'hui ou demain qui va expliquer que les préparateurs en pharmacie peuvent, dans le cadre de l'état d'urgence, donc probablement jusqu'en juin 2022, vous savez qu'il y a une loi en cours au Parlement pour étendre l'état d'urgence, donc en tout cas pour cette campagne antigrippale, de vacciner en même temps pour la grippe et pour la Covid. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très nouveau que j'ai à apporter aujourd'hui, et nous allons évidemment le diffuser très largement dans l'après-midi à tous les pharmaciens, c'est que nous avançons la date de démarrage de la campagne antigrippale. Le ministre D'accord. nous l'a confirmé. La date de démarrage sera pour les EHPAD le 18 octobre D'accord, très bien. Oui, la semaine prochaine. et pour les patients munis d'un bon. Ce sera le 22 octobre et plus le D'accord. 26. Donc, Et on plus le commence le 26. 22. On commence le 22 et pas le 26. Et donc, pour les gens munis d'un bon, sachant que ce sera toujours le 23 novembre pour la population générale. Donc, 22 octobre, retenez ça, et plus 26. Donc 22 octobre, et puis possibilité donc pour les préparateurs de vacciner contre la grippe et puis C'est ça. contre la COVID-19. C'est ça. C'est bien ça. Et Oui. quels vaccins anti-COVID pourront être utilisés pour la troisième dose? Alors ça, c'est la troisième information, c'est que nous allons avoir cette information bien sûr officiellement, mais des travaux sont en cours autour du vaccin Moderna, et pour l'instant, nous ne pourrons plus faire de troisième dose avec Moderna. Donc les troisièmes doses, pour l'instant, devront être faites uniquement avec Pfizer. En fait, ce qui est à l'étude, c'est d'utiliser uniquement une demi-dose pour le vaccin Moderna, qui était semble-t-il un peu trop dosé pour la troisième dose. D'accord. Et donc, on va nous demander d'arrêter les troisièmes doses Moderna pour l'instant, le temps d'avoir la même demi-dose et de faire les troisièmes doses avec Pfizer uniquement. Donc D'accord. ça signifie qu'à partir du 22, les pharmaciens doivent s'organiser pour pouvoir proposer, je dirais à la volée, les vaccinations grippe et Covid en même temps. Pour les gens qui arrivent avec leur bon grippe. Donc, ça signifie une organisation de l'officine qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. Chacun est bien sûr libre de son organisation. Pour vous donner un exemple, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer des flacons à l'avance Pfizer et il y aura donc un effecteur de vaccination en permanence qui va vacciner les gens qui se présenteront et quand ils viendront se présenter pour la grippe, on les vaccinera contre la grippe et on leur proposera. La troisième dose, s'ils sont éligibles et s'ils ont le délai de 6 mois depuis la dernière injection. Donc voilà, donc il faut bien y réfléchir. C'est Pfizer pour l'instant, c'est à partir du 22 octobre et a priori, il vaut mieux faire la vaccination de façon concomitante. On peut toujours la faire à distance, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux de la faire concomitante. Donc, retenez ça et puis essayons de faire ce qu'on nous demande. Et vous allez pouvoir aussi donc préparer des doses unitaires? Oui, je pense que c'est quelque chose qui sera. Enfin, c'est une possibilité qui a été donnée aux pharmaciens dans certains cas, parce que dans certains exercices avec les médecins et les infirmiers, ben, c'était utile. Donc, je l'avais dit, hein, ça a été demandé par certains confrères.
certains aussi médecins et certains infirmiers. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il fallait que ce soit possible et puis c'est rémunéré. Voilà. D'accord, très bien. 2 euros, hein, c'est ça? 2 euros. Très bien. Alors, la gratuité des tests antigéniques prend fin aujourd'hui. Comment ça va se passer concrètement dans les pharmacies? Comment allez-vous facturer et à qui? Alors, la facturation ne change pas pour 90% de la population. Nous avons envoyé une circulaire assez complète sur le sujet. Et là, nous allons aujourd'hui envoyer un tableau avec tous les cas d'usage. On attendait que le DGS urgent sorte officiellement pour l'envoyer, pour essayer de ne pas faire d'erreur, parce qu'en fait, il y a toujours des changements de dernière minute. Moi, je préfère avoir le texte pour envoyer les choses. Donc, je ne vais pas reprendre précisément tout le dispositif, parce qu'il est assez complexe et il y a beaucoup de cas. Mais globalement, rien ne change pour 90% des Français, les mineurs et les personnes vaccinées. Il n'y a rien à envoyer de supplémentaire comme preuve à l'assurance maladie pour ces personnes-là. En revanche, pour les personnes non vaccinées, c'est sur ordonnance médicale. Et là, il faut envoyer l'ordonnance médicale. Il y a d'autres cas, ils seront précisés dans la lettre. Et c'est 25 euros. Donc, je le redis, c'est 25 D'accord. euros le test. Chaque profession a son prix. Ça fait longtemps que chaque profession a son prix. Le prix des infirmiers n'est pas le même que celui des médecins, des sages-femmes, n'est pas le même que celui des biologistes, n'est pas le même que celui des pharmaciens. Mais pour les pharmaciens, c'est 25. Et c'est comme ça. Voilà. Très bien. Je vous propose maintenant de prendre quelques questions des internautes. Alors Philippe, moi j'en ai déjà une là que j'ai vue passer. Rien compris sur cette affaire de dispensation adaptée. Que s'est-il passé? Oula, effectivement, nous avons été en réunion avec l'assurance maladie pas plus tard qu'hier, D'accord. et le directeur nous a indiqué, enfin pas le directeur d'ailleurs, c'était les responsables ces responsables, les responsables du projet, nous ont expliqué les résultats de cet avenant 20 que nous, pour rappel, nous n'avions pas signé. Bon. Comme nous l'avions dit, l'action des pharmaciens dans la dispensation adaptée n'était pas jugée correctement. Parce qu'en fait, il était jugé au travers d'un mécanisme très complexe, une espèce d'usine à gaz qui mettait en lien ce que faisaient globalement les pharmaciens dans l'année de référence par rapport au marché de ces mêmes médicaments dans les 5 années précédentes. Et nous avions dit à l'époque, le Covid n'existait pas à l'époque, hein, à l'époque où j'avais dit ça, que c'était trop lié à la conjoncture, que les évolutions du marché du médicament n'étaient pas liées uniquement à l'action des pharmaciens et que donc, potentiellement, le pharmacien, malgré qu'il fasse son acte, risquait de ne pas être payé. Évidemment, c'est arrivé. Voilà. D'accord. Du fait de l'année Covid, l'assurance maladie nous a expliqué qu'ils avaient fait leurs calculs et que donc, comme il y avait une trop forte baisse l'année dernière des unités, eh Donc bien, sur 2020, c'est ça? ouais, c'est ça, voilà, sur l'année 2020, liée au Covid, c'est-à-dire pas du tout liée à l'action des pharmaciens, mais bon, voilà, comme il y avait cette trop forte baisse, eh bien, ils avaient fait leurs calculs et qu'ils ne nous devaient rien. Voilà. Pour 2021. Pour 2021. Donc, ils ne nous devaient rien, donc on avait dit ROSP égale zéro. Voilà. Donc, D'accord. c'est ce que nous avions dit. Donc, comme ils se sont aperçus que c'était quand même très démobilisant, parce qu'on avait joué le jeu, on avait, à la FED, on avait nous-mêmes appelé les pharmaciens à jouer le jeu de ce dispositif, parce que pour tracer les cas où on ne donnait pas tous les médicaments, comme ils avaient vu qu'on avait joué le jeu, eh bien, ils ont décidé de nous accorder 7 millions d'euros, 1,25 € par DAD réalisé par les pharmaciens. Selon un mécanisme que je vous avoue, un calcul que je vous avoue n'avoir pas compris du tout, pas plus que le premier d'ailleurs, voilà. Donc j'ai juste dit merci, parce que quand on vous donne 7 millions d'euros, on dit merci, voilà. Et je leur ai dit que les interventions des pharmaciens sur l'ordonnance étaient quelque chose de sérieux et que c'était important dans la prochaine convention de les traiter sérieusement et donc d'avoir une rémunération que les gens comprennent
pour un acte qu'ils comprennent et qu'ils savent faire. Bon, bref. Donc, en résumé de cette affaire, on n'atterrit pas trop mal, puisque l'assurance maladie a accepté de nous rémunérer, malgré le fait qu'ils ne doivent pas nous rémunérer, mais ils ont considéré que les pharmaciens avaient fait quand même une partie du travail. Bon. Voilà, je suis désolé, c'est ce que je dis, j'ai conscience que c'est brouillon, mais cette affaire est brouillonne elle-même. Est-ce que vous avez une autre question ? Un patient ayant des séances de kiné tous les deux jours à l'hôpital et me présente une ordo du généraliste pour des tests tous les deux jours avant les séances pour une durée de 2 mois. Est-ce valable comme justificatif pour la prise en charge des tests par l'assurance maladie ? Je dirais oui. Je me permets quand même de garder la question et éventuellement, c'est le genre de question un peu précise pour lesquelles je veux bien qu'un mail soit adressé à la fédération pour que je puisse l'envoyer à l'assurance maladie pour voir ce cas qui est une récurrence en fait de cas hospitaliers. Donc, il faut quand même juger de la possibilité. Donc, à titre personnel, j'aurais tendance à dire oui, mais envoyez-nous le mail et nous répondrons précisément après avoir interrogé l'assurance maladie. Une autre question peut-être ? Alors, je n'ai pas de question, mais j'ai une information. Allez-y alors. Du coup, on va terminer comme ça. Juste pour vous dire que lundi, nous avons une réunion avec le cabinet du ministre pour évoquer l'avenir de la vaccination Covid et du fait de la fermeture des centres. Et donc, d'accord, la revalorisation de l'acte de vaccination pour les libéraux de ville. Là, je dois dire que comme c'est une demande, enfin une proposition en tout cas de la fédération depuis le début du processus de vaccination par les libéraux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est l'annonce de la réunion qui est une bonne nouvelle. Le contenu, eh ben, Christophe, on le verra au prochain, vendredi prochain, dans le live. Est-ce que la lettre de cadrage sera au programme, est au programme ? De cette réunion, non, parce que c'est une réunion interpro. D'accord. C'est avec tous les effecteurs. C'est aussi bien avec les médecins qu'avec les infirmiers qu'avec nous. Donc, de cette réunion, non. Mais la lettre de cadrage, le ministre l'a dit, elle est quasiment écrite. Nous ne l'avons pas reçue à date, mais les travaux commencent. Hein. Nous avons un premier groupe de travail qui commence mercredi prochain. Et le cadrage général se fera mardi dans une commission paritaire nationale. Eh bien, nous en parlerons vendredi prochain, là. Exactement. Eh ben, merci Philippe Besset. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.